Bonjour à tous et à toutes. Dans cette occasion, je vous présente ces magnifiques papillons. Comme vous pouvez voir, j'ai mis donc du point pouf pour donner du relief. J'adore ça, c'est vraiment trop beau pour délimiter en fait les ailes. Regardez, c'est vraiment un détail magnifique que vous pouvez mettre dans votre maison, sur une commode, sur les tables de nuit des petites filles, dans vos tables de nuit à vous aussi. Et surtout, comme c'est fait avec le fil Vivaldi, vous avez beaucoup de choix de couleurs, donc faites-vous vraiment plaisir. Une idée aussi, vous pouvez les encadrer et les mettre au mur dans une chambre d'enfant, même dans un salon. Ça, c'est vraiment au choix. Donc moi, c'est une idée que je vous donne. Voilà. Donc, comment j'ai réalisé ce papillon? Très facile. On commence du centre et ensuite on va travailler comme ceci. Et quand on va arriver ici, à cette hauteur-là, on va commencer à travailler les pétales par séparé. Voilà. Pour réaliser ces papillons, j'ai eu besoin d'une pelote par papillon. J'ai utilisé le fil Vivaldi qui est pour moi idéal pour ce genre d'ouvrage. C'est vraiment un fil de très bonne qualité et il a une tenue parfaite en fait. Donc je vous le recommande vivement. En plus de ça, il y a 17 coloris. Donc ça dépend si vous le faites pour votre salon, vous pouvez assortir à votre décoration. Si vous le faites pour une chambre d'une petite fille, vous pouvez choisir un rose, un blanc. Voilà, c'est vraiment, vous faites les couleurs que vous aimez. Ensuite, j'ai crocheté tout ça avec un crochet numéro 3, une aiguille à laine et j'ai eu besoin aussi de ciseaux. Dans cette occasion, j'ai fait 5 papillons, donc 2 blancs et 3 lilas. Donc, ces papillons-là, je vais les faire cadeau aux 5 personnes qui me feront donc les commandes les plus élevées jusqu'à dimanche à minuit. Voilà, avec un grand plaisir. On commence le papillon en faisant un nœud poulain. Donc comme ceci. On le bloque avec une maille en l'air et je vais en faire 2 autres. Donc au total, j'ai 3 mailles en l'air qui équivaut à ma première bride. Au total, dans le nœud coulant, ce qu'on va venir faire, c'est 24 brides. Donc j'en ai déjà une. 2, 3, 4, comme ça jusqu'à en avoir 24 au total. J'ai terminé mes 24 brides. Donc maintenant, on va fermer le nœud coulant. Donc vous prenez le petit morceau de laine et vous le tirez de toutes vos forces. Une fois donc qu'on a tiré, voilà ce qu'on obtient, donc un cercle bien plat. Et maintenant, on va unir à la troisième maille en l'air qu'on avait fait au départ, donc par une maille coulée. Et là, on a terminé en fait le centre du papillon. Maintenant, on va faire une, deux, trois mailles en l'air qui équivaut à une bride, plus trois mailles en l'air de séparation. Maintenant, on saute une maille. Dans la suivante, vous faites une bride. De nouveau, une, deux, trois mailles en l'air, je saute une maille et dans la suivante, de nouveau, je fais une bride. Donc là, au total, j'ai déjà 3 brides. Il m'en faut 9 séparées de 3 mailles en l'air. Donc vous faites 3 mailles en l'air, vous sautez une maille, dans la suivante, vous faites une bride. Là, j'en ai 4 de brides. Et de nouveau, on répète 3 mailles en l'air, je saute une maille, dans la suivante, une bride. 3 mailles en l'air, je saute une maille, dans la suivante, je fais une bride. Donc là j'en ai 6. La neuvième. Donc là, nous avons terminé le deuxième rang du papillon. Maintenant, le troisième rang, on retourne l'ouvrage et on va faire une maille coulée dans l'espace qui suit. Donc ici, où on avait fait les 3 mailles en l'air, vous faites une maille coulée. Une fois qu'on est placé, donc ici, au centre, dans l'espace, on va faire un point pouf, mais de 4 jetés. Donc là, ça équivaut au premier, jeté. Je fais mon deuxième,
jeter, je fais mon troisième, jeter, je fais mon quatrième, et maintenant un jeté et je termine. Je fais une maille en l'air et je vais refaire un deuxième point pouf de 4 jetés dans le même espace. Donc 1, 2, 3 et 4. Je ferme ça et je termine comme ceci. Ça, c'est le motif qui va sur tout le côté du papillon. Maintenant, vous faites une, deux et trois mailles en l'air. Je vais dans l'espace suivant et je vais venir faire deux brides. Une et au même endroit, une seconde. De nouveau, trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Je vais dans l'espace suivant et de nouveau, deux brides. Trois mailles en l'air de nouveau. Dans l'espace suivant, deux brides. Une et deux. Une, deux, trois mailles en l'air dans l'espace suivant, deux brides. Comme ça jusqu'à arriver donc au dernier espace, ici. Je suis arrivée dans mon dernier espace, donc deux groupes de deux brides, j'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six. Maintenant, dans le dernier espace, je vais refaire la même chose que de l'autre côté. Donc, c'est-à-dire, vous faites un point pouf de quatre jetés. Un jeté, deux, trois et quatre. Je ferme et je termine. Je fais une maille en l'air et au même endroit, je vais refaire un deuxième point pouf de quatre jetés. Donc là, j'en ai 1, 2, 3 et 4. Jeté, je termine. Je retourne l'ouvrage et on va faire maintenant le quatrième rang. Donc, pour commencer, vous faites une maille coulée au centre du motif point pouf. Puisqu'ici, au centre du motif point pouf, il va y avoir toujours le même point. Donc, je tire, ça équivaut à mon premier jeté. J'en fais trois autres. Et je ferme. Je fais une maille en l'air. Et là, je fais de nouveau un point pouf de 4 jetés dans le même espace. 1, 2, 3, 4. Un jeté. Et je passe à travers toutes ces boucles en fait. Mais pas dans la dernière jamais. Et là, je refais un jeté. Je passe à travers les deux. Maintenant, une, deux, trois mailles en l'air. Je vais dans l'espace. Donc juste après les points pouf, il y a un espace. Ici, je vais faire 4 brides. Une, deux, trois et quatre. Une, deux, trois mailles en l'air dans l'espace suivant. Ce motif-là, point pouf. Donc je fais un jeté, deux, trois et quatre. Je ferme et je termine. Une maille en l'air de séparation et je refais mon deuxième point pouf. Une, deux, trois, quatre. Maintenant de nouveau, trois mailles en l'air. Et dans l'espace suivant, je fais quatre brides de nouveau. Une, deux, trois et quatre. Trois mailles en l'air et dans l'espace suivant, de nouveau le motif point pouf. Ça, c'est ce qu'il faut alterner. Donc, c'est-à-dire, on a fait un motif point pouf. Ensuite, on fait 4 brides, un point pouf, enfin un motif, point pouf, 4 brides. Maintenant, il va y avoir un motif, 4 brides, un motif, 4 brides et le motif pour finir. Et tout ça séparé de 3 mailles en l'air. J'ai terminé le quatrième rang. Voilà ce que ça m'a donné. Donc, j'ai terminé bien par le motif qui est toujours sur le bord. Ensuite, vous retournez et vous faites toujours une maille coulée au centre du motif. Et maintenant, on commence un motif. Donc, vous savez maintenant comment on le fait. 4 jetés, on le termine. On fait une maille en l'air et on fait un deuxième point pouf. 1, 2, 3, 4. Je ferme et je termine. Et maintenant, ce que vous devez répéter tout votre rang, c'est 1, 2, 3 mailles en l'air. Et ici, où on a les 4 brides,
on va faire une augmentation sur chacune des quatre. Donc au total, on va avoir 8 brides. Donc sur chaque maille, on fait 2 brides. Une et deux. Dans la maille suivante, de nouveau pareil, 2 brides. Dans la maille suivante, 2 brides. Et dans la dernière maille également. Maintenant, 1, 2 et 3 mailles en l'air. Je vais sur le point pouf qui suit. Et au centre, je refais la même chose, un motif point pouf. Donc de 4 jetés. Une maille en l'air et je refais un deuxième point pouf au même endroit. De nouveau, 1, 2, 3 mailles en l'air. Je vais sur les 4 brides et je fais une augmentation dans chacune. Ça, c'est ce qu'il faut répéter. Ensuite, 3 mailles en l'air, le motif point pouf, 3 mailles en l'air, les augmentations, 3 mailles en l'air, motif point pouf, 3 mailles en l'air, augmentation, 3 mailles en l'air et le motif point pouf au bord. Ça, c'est notre cinquième rang. J'ai terminé tout mon rang. Donc maintenant, on va passer au sixième. Donc je retourne et le motif reste le même. Maille coulée et je fais mon motif point pouf. Maintenant, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et la séquence qu'on va faire en fait, c'est très facile. Ici, on a 8 brides. Sur chacune, on va faire une bride. Donc par exemple, là, on va faire une bride dans la première. Et maintenant, on va les séparer par une maille en l'air. Je vais dans la suivante, je fais une bride par-dessus. Une maille en l'air, je vais dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, sur la suivante, une bride. Ça, c'est ce qu'il faut répéter sur les 8. Donc, vous faites vos 8 brides, mais sauf que entre chaque bride, tout simplement, vous allez faire une maille en l'air. C'est très facile. Maintenant, 1, 2, 3 mailles en l'air. Je vais dans le motif pouf suivant et je refais pareil, un motif pouf. Et ça, c'est ce qu'il faut répéter. Vous faites 1, 2, 3. Et là, de nouveau, la même chose. Vous allez faire vos 8 brides séparées d'une maille en l'air. Ensuite, 3 mailles en l'air, le motif pouf. Ça, c'est ce qu'il faut répéter jusqu'à terminer tout votre rang. Le septième rang retourne. On fait notre motif de bord. Maintenant, vous faites 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je viens ici sur la première bride des 8. La première, je fais une maille serrée par-dessus. 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation. Je vais sur la deuxième bride, une maille serrée. 1, 2, 3. Je vais sur la bride suivante, maille serrée. 1, 2, 3. Maille serrée dans la bride suivante. 1, 2 et 3. Sur la bride suivante également. Ça, je vais le faire sur toutes les brides. Donc 3 mailles en l'air, maille serrée. 3 mailles en l'air, maille serrée. 1, 2, 3 et dans la dernière bride, maille serrée. De nouveau, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je vais sur le motif pouf et je refais un motif pouf. De 4 jetés. Une maille en l'air et je refais une deuxième au même endroit. De nouveau, 4 mailles en l'air et je repars dans le motif suivant où je répète la même chose, maille serrée, 3 mailles en l'air, maille serrée. Ça, c'est ce qu'il faut répéter tout votre rang. J'ai terminé le rang, maintenant vous retournez l'ouvrage et le rang suivant, donc il se commence comme tous les autres. Vous faites une maille coulée au centre du motif et vous allez faire votre motif
deux points bouffe. Une maille en l'air, vous faites votre deuxième. Maintenant, vous refaites 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je vais donc dans la première petite boucle qu'on a formée avec les 3 mailles en l'air et je fais une maille serrée à l'intérieur. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je vais dans la boucle suivante, maille serrée. 1, 2 et 3. Dans la boucle suivante, maille serrée. 1, 2, 3. Boucle suivante, maille serrée. 3 mailles en l'air, dans la boucle suivante, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée, 1, 2, 3, maille serrée dans la dernière boucle. Je vais vous compter les boucles, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant de nouveau, 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Et maintenant, en fait, au centre de ce motif-là, on va faire 4 points pouf séparés d'une maille en l'air. Donc je fais mon premier, toujours de 4 jetés. 3 et 4. Je termine. Une maille en l'air. Je fais un deuxième point pouf de 4 jetés. Une maille en l'air. Je fais mon troisième. Et je fais mon quatrième. Et là, je recommence. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je vais dans la première boucle, maille serrée. 3 mailles en l'air. Dans la deuxième boucle, maille serrée. Comme ça, jusqu'à avoir 6 petites boucles. Ensuite, vous faites vos 4 mailles en l'air. Et de nouveau, vous faites ici les 4 points pouf. Ensuite, vous faites ce motif-là encore avec vos petites boucles. Ensuite, ici, de nouveau, les 4 points pouf. Vous faites le dernier motif, les petites boucles. Et vous terminez par le point pouf qu'on fait au bord individuel. Vous n'en faites pas 4. Vous faites 2 comme jusqu'à maintenant. Et ça, c'est ce qu'il faut répéter tout votre 8e rang. J'ai terminé le 8e rang. Maintenant, on retourne et on va commencer le 9e. Donc, on va faire une maille coulée et commencer par notre motif de bord. Donc jusqu'à là tout va bien, vous le connaissez. Maintenant on fait 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air et on va continuer de diminuer, donc c'est-à-dire que dans chaque boucle une maille serrée. Ensuite 3 mailles en l'air, je vais dans la boucle suivante, maille serrée. 1, 2, 3, maille en l'air et dans la boucle suivante, maille serrée. 3 mailles en l'air, maille serrée. 1, 2 et 3, maille serrée. Et là, au total, j'ai 4 boucles. 5, pardon. 1, 2, 3, je fais ma cinquième. Donc, j'ai 5 boucles maintenant. De nouveau, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais maintenant, donc ici, on a 4 points pouf. Entre le premier et le deuxième, je viens faire un motif pouf, donc c'est-à-dire un point pouf de 4 jetés, une maille en l'air et un deuxième au même endroit. 1, 2 et 3 et 4. Je termine. Donc maintenant, en fait, d'abord, il faut que je vous explique pour que vous compreniez bien. En fait, regardez. Ici, on a 4, comme vous pouvez voir. 4 L en fait, on a les deux L, donc il y a 4 morceaux. Et donc c'est exactement les 4, c'est les mêmes. Donc il n'y a pas des plus petits, c'est juste que regardez, ça prend tout seul la bonne forme. Voilà. Donc d'abord, nous on est là. Donc ce qu'on va faire, on va terminer cette partie-là. Ensuite, il faudra rattacher le fil et faire cette partie-là. Et ensuite, faire pareil pour les deux autres. Donc moi, je vais vous montrer comment faire cette partie-là et cette partie-là. Et ensuite, vous ferez la même chose des deux autres, de l'autre côté, quoi. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est arrêter. Donc là, on vient de commencer là. Ce qu'on va faire, c'est on arrête. On retourne l'ouvrage et on commence, on continue cette partie-là, en fait, jusqu'à la terminer. Donc là, j'ai retourné l'ouvrage et je fais mon motif habituel sur le bord. 2, 3, 4, une maille en l'air et de nouveau un autre point pouf.
Maintenant, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je continue mes boucles. Donc dans chaque boucle, je fais une maille serrée. Je sépare avec 3 mailles en l'air. Je vais dans la boucle suivante, maille serrée. 1, 2, 3. Dans la boucle suivante, maille serrée. 1, 2, 3. Dans la boucle maille serrée. 1, 2, 3. Dans la boucle suivante, maille serrée. Et là, je termine avec 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et je fais mon motif de bord pour terminer mon rang. Donc là, c'est le rang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, on vient de terminer le rang numéro 10. Maintenant, le rang numéro 11. Vous retournez l'ouvrage. On commence par faire le motif habituel sur le bord. Maintenant, on fait 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air de nouveau. Et on continue sur les boucles. Maille serrée, 3 mailles en l'air. Sur la boucle suivante, maille serrée. 1, 2, 3. Dans la boucle suivante, maille serrée. 1, 2, 3. Dans la boucle suivante, maille serrée. Et maintenant, je termine avec 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et le motif de bord. Voilà ce que ça commence à donner. Maintenant, le 12e rang, on retourne. Et le 12e rang, on fait le motif de bord. Maintenant, vous faites 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et on continue avec les boucles. Donc maille serrée, 3 mailles en l'air. Maille serrée, 3 mailles en l'air. Maille serrée. De nouveau 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et on termine avec le motif de bord point pouf. On retourne et on va faire le 13e. Donc on commence pareil le motif de bord. Maintenant on fait toujours 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et je continue. Donc de deux boucles qui me restaient, il va m'en rester qu'une seule. 4 mailles en l'air et je termine par le motif de bord. Donc on a dit 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Maintenant le 14e rang. Le 14e rang, on commence par le motif de bord. Maintenant, on fait 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et dans la boucle, l'unique qui nous reste au centre, on fait une maille serrée par-dessus. Maintenant, 4 mailles en l'air de nouveau. Et je termine par le motif de bord. Maintenant, on retourne. Et maintenant, le 15e rang, tout simplement, regardez, vous faites votre motif de bord pour commencer. C'est le dernier rang. 2, 3 et 4.
Et maintenant, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est passer. On va passer en fait à l'autre motif de bord. Donc directement comme ça, on vient dans le deuxième et on fait notre dernier motif de bord. Quand vous arrivez à ce stade-là, donc vous avez terminé votre aile, vous prenez les ciseaux et vous coupez le fil. Vous faites une maille en l'air et vous tirez. Et là, nous avons terminé une aile du papillon. Voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment, j'adore. Là, il est du côté envers. Voilà. Maintenant, je vais vous apprendre à faire donc cette partie-là. Le deuxième côté de l'aile droite. Et ensuite, il faudra faire la même chose du côté gauche. Rattacher les fils et faire pareil. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, donc de l'aile. Donc vous avez cette partie là et nous, ce qu'on va venir faire, c'est s'attacher. Ici, il y a la deuxième augmentation, comme vous pouvez voir. Donc dans l'augmentation, ici il y avait 4 points pouf, 1 2 3 4. Entre le troisième et le quatrième, je viens rattacher donc mon fil. Et je commence à travailler. Donc je monte avec deux mailles en l'air cette fois-ci qui équivaut à mon premier jeté et je vais en faire trois autres. Je termine, je fais une maille en l'air, je fais mon deuxième. Donc ici, dans cet espace-là, entre le troisième et le quatrième point pouf qu'il y avait dans le rang précédent, j'ai fait un motif de bord. Vous voyez? Maintenant, 1, 2, 3, 4 et 5. Et j'attaque ma première boucle avec une maille serrée. 3 mailles en l'air, je passe à la boucle suivante, maille serrée. 1, 2, 3. Je passe à la boucle suivante, maille serrée, 3 mailles en l'air, maille serrée, comme ça, jusqu'à terminer donc toutes vos boucles. J'ai terminé de faire toutes mes boucles, au total j'en ai 5. Maintenant vous faites 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Et je viens ici, de nouveau dans cette augmentation-là, vous voyez entre le premier et le deuxième point pouf, et je viens faire mon motif de bord. 4 jetés, je termine, une maille en l'air et je fais mon deuxième point pouf au même endroit. Maintenant, on retourne. Donc, vous voyez, on est en train de répéter exactement la même chose. Vous pouvez compter vos rangs comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, on est en train de faire le 9e rang qui est exactement pareil que le 9e de ce côté-là. Donc là, maille coulée au centre des points pouf, je fais mon motif de bord, là vous le connaissez bien. Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, je viens dans la première boucle, maille serrée, 1, 2, 3, dans la deuxième boucle, maille serrée, 1, 2, 3, dans la boucle suivante, maille serrée, 3 mailles en l'air, mailles serrées, 1, 2, 3, mailles serrées, et je termine par 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5, et par mon motif de bord. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Là, on retourne et c'est reparti. Motif de bord. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est 5 mailles en l'air de nouveau. Maille serrée dans la première boucle. 1, 2, 3 mailles en l'air. Maille serrée dans toutes les boucles, hein, séparées de 3 mailles en l'air. Et là, au total, j'ai 3 petites boucles. Maintenant, de nouveau, 1, 2, 3, 4, 5. Et je termine par mon motif de bord. Le rang numéro 12, maille coulée, motif de bord.
Maintenant, une, deux, trois, quatre mailles en l'air. Je viens dans les boucles et je fais mailles serrées. Trois mailles en l'air, mailles serrées. Trois mailles en l'air, mailles serrées. Et de nouveau, quatre mailles en l'air. Et je termine avec le motif de bord. Maintenant, le 13e rang, maille coulée. Nous allons faire donc le motif de bord. Maintenant, maintenant, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et je vais donc dans la première boucle. Maille serrée. 3 mailles en l'air. Je vais dans la deuxième boucle. Maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et je termine par mon motif de bord. On retourne. Et là, on va faire notre avant-dernier rang. Donc, maille coulée, motif de bord. Maintenant, 4 mailles en l'air. Maille serrée dans l'unique boucle qu'il nous reste, 4 mailles en l'air et je termine par le motif de bord. Je retourne et je passe à mon dernier rang. Donc je fais mon motif de bord. Et maintenant je passe directement à l'autre motif de bord qui est juste à côté et je le fais à son tour. Et là, j'aurai terminé la seconde partie de mon aile. Maintenant, une fois qu'on a terminé, on coupe le fil, une maille en l'air et on tire, tout simplement. Tous les fils, là où on s'est rattaché, ceux de la pointe, ceux du nœud coulant du commencement. Tout ça, il faut les cacher. Donc, fur et à mesure, ou alors à la fin, comme vous voulez. Donc là, j'ai tout mon côté droit du papillon terminé. Maintenant, la seule chose qu'on doit faire, c'est très très facile, c'est tout simplement rattacher le fil ici et faire la même chose, travailler cette partie-là. Donc, de cette partie-là jusqu'à celle-ci. Ensuite, quand on aura terminé, vous rattachez le fil à côté, ici, et vous faites cette partie-là. Et on aura terminé le papillon, donc les ailes. Maintenant, je termine ces deux parties. On se retrouve pour faire les antennes. J'ai terminé le papillon. Donc maintenant, je vais vous apprendre à faire les antennes. Donc comme vous pouvez voir, on va ici. On a une, deux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles de disponibles. Je vais en sauter 2, 1, 2. Dans la troisième, j'ai terminé mon papillon. Donc comme vous pouvez voir ici, on a 8 mailles disponibles. Vous venez planter dans la première votre crochet et vous allez ramener votre fil. Maintenant, vous faites une maille en l'air et je vais faire une maille coulée. Encore une. Et là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles en l'air. Maintenant, vous soutenez avec le doigt, avec votre ongle, la huitième. Et on va tirer le fil pour travailler un point pouf de 6 jetés. Donc là, on en a un. Je pique dans la huitième maille ici, où j'ai mon ongle. Je fais un deuxième. Un troisième, un quatrième, un cinquième et un sixième. Un jeté, je termine et je fais deux mailles en l'air. Donc bien ajuster les deux mailles en l'air. Je viens ici, même où j'ai fait tous mes jetés, dans la huitième maille, je fais une maille coulée.
Et maintenant, on doit faire des mailles coulées tout simplement dans toutes les mailles jusqu'à arriver en bas. Chaque maille, vous faites une maille coulée. Maintenant, tout simplement, je vais dans la maille suivante, qui est ici. Je pique et je fais une maille coulée pour plaquer mon antenne. Voilà, donc là, on a une antenne de terminée. Maintenant, je refais une maille coulée et je recommence une autre antenne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles en l'air. Et maintenant, de nouveau, dans la huitième, je vais venir faire 6 jetés. 2, 3, 4, 5 et 6. Je termine, je fais la première maille en l'air bien ajustée, une deuxième, je viens dans la maille, dans la huitième maille et je fais une maille coulée. Maintenant, maille coulée dans toutes les mailles jusqu'à arriver en bas. Et maintenant, dans la maille suivante, je pique et je fais ma maille coulée. Et je termine le rang en faisant des mailles coulées jusqu'à terminer. Voilà. Une fois qu'on arrive là, vous faites une maille en l'air. Vous coupez votre fil. Et vous tirez bien fort. Tous ces fils-là, évidemment, vous les cachez. Et vous aurez vos antennes de votre papillon terminées. Vous voyez? Et en fait, les boules, vous les faites ressortir du côté endroit. Donc, vous voyez clairement avec votre nœud coulant, les brides, ils sont à l'endroit. Donc là, vous mettez les boules vers vous. Et voilà le petit papillon de terminé. Donc, moi, ma fille, quand j'ai fait le papillon, donc j'en ai fait beaucoup parce que j'ai adoré les faire. En fait, j'adore ce modèle. Et j'en ai mis une sur sa commode. Elle a une commode blanche et je lui ai mis un lilas comme ça. Et ça fait vraiment super joli, c'est un petit napperon. Donc elle adore, parce que c'est une fille, donc c'est une très bonne idée, ça, si vous faites un cadeau à une petite fille, dans la couleur que vous voulez, hein, vous pouvez prendre rose ou ce que vous voulez, ça lui fait vraiment plaisir. Après, une autre idée, c'est de, une fois terminé le papillon, c'est très très vrai, vraiment très beau, hein, de l'encadrer en fait, et de le mettre au mur. C'est vraiment trop trop beau. Et qui n'aime pas les papillons? Voilà, donc je termine de cacher tous mes fils et on se retrouve. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, j'espère que vous vous abonnerez à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt.